Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Avez-vous bien profité de vos vacances d'été, soit pour voyager, vous reposer, ou encore réfléchir à ce qui nous attend pour les mois à venir? Pour ma part, lecture, jardin et chaleur, car oui, cette année encore la chaleur a été au rendez-vous aux quatre coins du globe. Et en relisant un certain lanceur d'alerte nommé Dennis Meadows, nous pouvons faire deux constats. Le premier, c'est que les catastrophes naturelles sont de plus en plus présentes. Même si le mois de juillet nous a semblé moins difficile que celui de 2019, n'oublions pas que ce qui se passe sur le pas de nos portes relève de la météorologie, alors qu'à l'échelle planétaire et étudiée sur des décennies, cela relève du climat. 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés météorologiques en 1850, et la sixième consécutive. Depuis 2015, nous pouvons affirmer que chaque année qui arrive sera plus chaude que la précédente. C'est en moyenne une hausse de 1,1 degré qui a été comptabilisée selon l'Institut national britannique de météorologie depuis le début des relevés. Même si l'oscillation de la planète influe sur le climat, nous savons désormais que les activités humaines amplifient d'autant plus le réchauffement. En 2019, la Sibérie connaissait déjà des feux redoutables, mais depuis janvier 2020, ils sont constants. Des températures anormalement élevées, 38 degrés au mois de juillet, et une humidité des sols pratiquement nulle sont responsables de l'embrasement de la toundra sibérienne. Sur le seul mois de juillet, 59 mégatonnes de CO2 ont été diffusées dans l'atmosphère et plus de 9,26 millions d'hectares partis en fumée. N'oublions pas qu'une partie de la Sibérie héberge le permafrost qui, par sa fonte, amplifie le réchauffement par la libération de plus de CO2 et surtout de méthane, un gaz 30 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. En 2019, l'Inde souffrait déjà d'une sécheresse mortelle, avec des températures qui grimpaient jusqu'à 50 degrés, insupportables pour le corps humain. Cette année, l'Afrique subsaharienne ainsi que l'Irak ont obtenu de telles températures. Un nouveau record est signé le 16 août aux États-Unis avec 54,4 degrés dans la vallée de la mort qui porte décidément bien son nom. Et pendant ce temps, l'Amazonie continue de brûler de mille feux. Nous avons également pu observer le plus grand glacier encore intact du Canada perdre 40% de ses superficies en seulement 2 jours, l'équivalent de la superficie de Manhattan, et un peu moins loin, dans les Alpes, les températures élevées causées par la vague de chaleur laissent également présager l'effondrement d'un glacier. Cette fonte progressive est une menace directe sur la biodiversité qui en découle. Selon une étude, 10 à 40% de la faune aquatique disparaîtrait des rivières découlant des montagnes, modifiant considérablement les paysages et les écosystèmes. Dans le monde entier, ces disparitions menaceraient également les populations qui concentraient au bas des montagnes, les priverait d'eau potable. Qui dit sécheresse dit implicitement manque d'eau, mais également récolte saisonnière amoindrie. Outre les restrictions d'eau, les récoltes cette année largement en baisse au niveau mondial nous alertent d'une part sur un risque de pénurie alimentaire mondiale, mais d'autre part sur une hausse des coûts des matières premières. De toutes ces catastrophes que nous avons pu constater au cours de l'été, j'en tire un second enseignement. Et celui-ci m'a été fourni par Dennis Meadows, scientifique et professeur émérite de l'Université du New Hampshire, co-auteur avec 3 autres scientifiques du célèbre rapport Meadows en 1972. Celui-ci met en avant le danger pour l'environnement planétaire de la croissance démographique et économique de l'humanité. Voici ici un court extrait de ses constatations. Notre espèce humaine vit sur cette Terre depuis environ 15 000 générations. Jusqu'en 1750, il n'y a eu pratiquement aucune croissance du PIB par personne. Pendant 300 000 ans,
la population moyenne n'a connu aucune amélioration globale de son bien-être au cours de sa vie. Ce n'est qu'au cours des 15 dernières générations, soit à peine 0,001% de l'existence de l'humanité sur Terre, qu'il a été accepté et attendu que la vie pour tous s'améliore continuellement et rapidement. Amory Lovins a fait remarquer que tout ce qui a eu lieu est possible. Il est donc certainement possible, socialement et psychologiquement, pour les humains de vivre sans croissance. Mais il est certainement impossible, politiquement et économiquement, pour les humains de choisir cette option de manière proactive maintenant. Les politiciens ont besoin de la promesse d'en faire davantage plus tard, afin de maintenir l'engagement pour des accords qui donnent moins maintenant. Et les financiers ont besoin de la promesse d'en faire davantage plus tard, pour maintenir la tolérance à l'égard des politiques qui produisent d'énormes inégalités pour la plupart des gens maintenant. La mascarade du progrès indéfini n'est soutenue aujourd'hui qu'en redéfinissant continuellement la croissance, en donnant de plus en plus de poids aux transactions financières qui ne produisent pas de richesses réelles, en donnant de moins en moins de poids aux aliments, aux services et aux productions de biens qui augmentent la richesse réelle. Plus de poids au coût de la réparation des dommages, moins de poids aux dommages environnementaux qui nuisent à la vie humaine. En fait, le véritable bien-être de la personne moyenne sur cette planète est en déclin depuis quelques années. Ce fait a été occulté par la création d'une dette massive. Il n'est donc pas encore généralement reconnu. Mais au cours de ce siècle, il sera à nouveau largement admis que la société se trouve dans une période de croissance zéro ou négative. Dire que quelque chose est possible et inévitable ne veut pas dire qu'elle soit facile et rapide. Il est possible et facile pour une personne soit de se déplacer rapidement en bicyclette, soit de se tenir à côté d'elle une fois à l'arrêt. Mais pour ralentir une bicyclette et en descendre sans se blesser, il faut beaucoup de réflexion et d'habileté. Un grave obstacle prive la société mondiale des pensées et des compétences nécessaires pour sortir d'une économie de croissance rapide. Les élites dirigeantes actuelles du monde profitent à court terme de la préoccupation générale d'augmenter le PIB et de l'accent étroit mis sur les mesures financières pour atteindre cet objectif. Comme ces élites sont pour la plupart myopes, elles utiliseront toutes leurs ressources pour bloquer les efforts visant à inverser la croissance, à diversifier les mesures de bien-être social et à réduire leur propre richesse et leur influence. Parce qu'elles ont encore une influence énorme, je m'attends à ce qu'elles réussissent pendant encore quelques décennies. Cela ne signifie pas que la croissance se poursuivra indéfiniment. Cela signifie plutôt que la fin de la croissance sera imposée à la société par des facteurs échappant au contrôle des élites, tels que la diminution de la disponibilité de l'énergie, la baisse de la qualité des ressources, les perturbations croissantes dues au changement climatique, la baisse des rendements agricoles due à la perte de terres arables, le coût croissant des services environnementaux, eau potable, air respirable, température permettant de survivre, et peut-être les troubles civils causés par le déclin de la cohésion sociale, résultat d'inégalités massives. Alors que nous réserve l'avenir? Au cours des deux prochains siècles, la population du globe, son énergie et sa consommation de ressources vont diminuer. Moins de 50% ou plus. Le degré de chaos et d'inégalité pendant cette transition dépendra davantage des qualités et des objectifs des dirigeants qui émergeront que des formes spécifiques de gouvernance qui évolueront. Ces formes vont changer, il y aura une consolidation au niveau communautaire, car les groupes locaux se réorganisent pour maintenir leur vie et leurs moyens de subsistance dans les affres de leurs conditions changeantes, en choisissant des politiques qui favorisent la résilience plutôt que celles qui favorisent la croissance. Les modes d'organisation tribaux ont servi notre espèce bien plus longtemps que les alternatives telles que la monarchie, l'autocratie, l'oligarchie ou la démocratie. Je pense qu'ils finiront par l'emporter de nouveau. Denis Meadows. Entre accélération du réchauffement et réaction humaine, comment pouvons-nous déterminer quel sera le futur de nos démocraties, voire de la gouvernance de l'humanité ? Je vous laisse y réfléchir et vous attends la semaine prochaine
pour parler d'une piste qui n'en est pas au stade tribal comme le supposerait Dennis Meadows. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Tout de suite, Ferven avec le titre Scattered Fout. Has to say. And therefore all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself, subvocal conversation, the constant chit-chat of symbols and images and talk and words inside your skull. Now, if you do that all the time, you'll find that you've nothing to think about except thinking. Just as you have to stop talking to hear what others have to say, you have to stop thinking to find out what life is about. And the moment you stop thinking, you become into immediate contact with the unspeakable world. The force of liberation will blow the world to pieces. Comment c'était? Oh! 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 C'était un pur, absolument délire! J'ai trouvé ça quoi, Green? Oui! Green, comment? Oh, super Green! Aussi Green que ça peut être! Green, la puissance des Green, 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 tu vois? Mais tu vois, Green, Green, absolument! Green, Green!